Vous pouvez vous présenter au public? Alors, moi je suis Francis Lefaux, je suis à la distillerie déjà depuis, on va dire, une paire de décennies. Et au niveau de la distillerie, donc, on avait sorti il y a maintenant un an et demi la première cuvée Bolokos. Bon, c'est Edouard Schwartz, dit Eddy, qui avait donc lancé cette idée de Bolokos. Et on voulait donc faire un brut de colonne, mais naturellement, on voulait pas faire un brut de colonne pour faire monter en alcool. Le but du jeu, c'est quand même dégager avant tout des arômes et des valeurs gustatives. Et ça, c'est pas toujours évident. La surenchère de faire grimper la brut de colonne à tout va, comme on est tous en train de le faire aujourd'hui, c'est pas forcément une réussite. Donc, il faut faire très attention à toujours garder cette qualité aromatique et gustative. Alors, la première cuvée qui était sortie à 76, était juste splendide au niveau aromatique et gustatif. Et on voulait ressortir la numéro 2 seulement que si elle était prête. Et pour cela, bah, on a mis un an et demi. Alors ça tombe bien aujourd'hui que c'est la Saint-Amour, la première est sortie à la Saint-Valentin. Donc tout ça, c'est amusant. Mais ce n'était pas pour ça qu'on a sorti aujourd'hui, hein, c'est parce qu'elle était prête. Voilà. Et donc la deuxième, elle sort à 77,7. Et cette cuvée est encore une réussite au niveau du nez. On a une palette qui va très très loin au niveau aromatique. Et gustatif aussi. Alors bien sûr, ce genre de produit, ce n'est pas un produit qui se déguste pour faire un apéro et lever le coude sans réfléchir. On y va dans une recherche aromatique et gustative. Donc on prend le temps. Et donc il faut préparer son palais. Mais pour préparer son palais, moi je prépare toujours mon palais avec le nez. Jamais je ne bois un spiritueux avant une bonne vingtaine de minutes, quel qu'il soit d'ailleurs. Parce qu'on doit préparer sa bouche par le nez. Et préparer sa bouche par le nez avec ce type de produit, bah c'est fortement recommandé en tous les cas. Donc on y va au nez et on va chercher toute cette palette qui va se dégager toute la durée de la dégustation olfactive pour ensuite préparer sa bouche avec une petite salive de façon à mettre ensuite la première gorgée en bouche pour préparer son palais et ensuite aller chercher une deuxième gorgée qui, elle, sera le grand plaisir. La troisième et la quatrième. Bon, maintenant, ça se boit avec modération, hein, parce que ça fait 77,7 quand même. Hein. Donc, il faut quand même y aller gentiment. Mais bien sûr, il faut aussi l'appareil pour le déguster. Si on n'a pas le verre adéquat, eh bien, on risque de se brûler le nez. Donc, moi, j'utilise ce type de verre, en fait. Bon, on a tout type de verre, mais celui-ci est plus adapté pour ce type de cuvée. Parce que la chambre aromatique, là, par exemple, la partie concave et convexe sont trop prononcées. Ce qui fait qu'il y a des risques de brûlure au nez. Alors qu'avec celui-ci, il n'y a pas de risque de brûlure. Et puis, bah, pour aller chercher les arômes, bah, il faut aussi avoir une mémoire olfactive, bien sûr, assez large, de façon à trouver tous ces arômes, parce qu'il est clair que tout le monde n'a pas cette palette aromatique en mémoire. Et quelquefois, quand on dit « Ah, bah, ça sent tel ou tel produit, ou tel parfum », on se dit « Mais où est-ce qu'il va chercher ça ?» Non, il faut quand même avoir en mémoire une belle palette aromatique, sinon la dégustation se fait que pour dire bah, « Je lève le coude ». Ce n'est pas le but. Quelle était la grande différence de fabrication entre les deux cuvées, justement, pour les différencier? Le procédé est le même, c'est d'avoir des belles cannes, des cannes propres, des cannes coupées à la main, des parcellaires aussi, bien sûr. Après, pour moi, le travail de la réussite se fait par la fermentation et la distillation. Si on a quelque chose qui est très beau en fermentation, il faut y aller très lentement en distillation, sinon on va tuer l'arôme. Et le but du jeu, c'est quand même de dégager. Le but, c'est l'arôme avant tout, et ensuite l'alcool. L'alcool arrive qu'après. Moi, pour moi, le nez, c'est 70% du plaisir. La bouche, c'est les 30% qui restent, mais qui sont complétés par le nez, donc tout va bien. Un petit mot aux auditeurs par rapport à la cuvée? Un petit mot pour la cuvée. Cette année, la cuvée a été faite pour Océane, qui est donc aussi qui est dans le groupe. La première, c'était Eddy, hein, la deuxième, c'est Océane, et puis la troisième, ça sera l'autre musicien, si toutefois on va jusqu'à trois, le temps qu'on fasse justement une autre belle cuvée. Quand est-ce qu'elle sortira? Bah, on verra. Quand elle sera prête aussi? On ne peut pas donner de date. Ça peut être un an, ça peut être deux ans même. Hein. On ne peut pas savoir. Donc, on verra bien. Donc, j'espère en tous les cas que ça sera une belle réussite pour tout le monde, que tout le monde prendra plaisir avec cette cuvée qui, au niveau du nez et au niveau de la bouche, pour moi, est parfaite. Au niveau du monde qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est une belle réussite. Ah bah, je pense, oui. Ah, ils ont tous goûté, normalement. S'ils continuent à acheter, c'est que ça plaît, non? On pense. Je pense. Merci beaucoup. Voilà, mais j'en prie.
À bientôt, au revoir.